Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le second épisode de ma série de matchs sur le jeu Hearthstone. Hearthstone, je sais pas trop comment on dit exactement, quelle est la prononciation. Hearthstone, je sais pas, voilà, j'ai un accent anglais ultra pourri. C'est pas grave, donc je crois que vous avez été assez nombreux à bien apprécier le premier épisode. Bon, assez nombreux, tout est relatif, hein. Vous êtes pas non plus des millions et des millions sur ma chaîne. Mais moi j'ai été content de faire le premier épisode, donc du coup j'ai décidé de continuer, d'en refaire un petit peu encore. Donc on est reparti pour 3 parties, voilà. Toujours avec notre deck chasseur vu qu'il nous a porté chance au dernier épisode. Du coup, allez, c'est parti, je vais choisir un adversaire et je vous retrouve dès que j'en ai trouvé un convenable. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, je vous reprends. On est reparti, donc chasseur contre mage. Vous l'avez cherché. Oh là là, c'est quoi c'est... Oh la vache. Bon bah au moins on sait qu'est-ce qu'on va enlever, hein. On va peut-être le 4, j'aurais dû le garder, enfin vu la gueule de mon tirage. Vous voyez, c'est pas exceptionnel, hein. C'est franchement pas exceptionnel du tout. Bon, on a une provoque, c'est déjà ça. Flèche multiple, c'est sympa. J'espère qu'elle a pas un deck murloc en face, parce que là je sens que je vais prendre très très cher. Un deck murloc, je suis très nul, hein, je suis très nul. Donc s'il y a des gens qui connaissent pas, un deck murloc, c'est un deck qui est constitué essentiellement de cartes comme celle-là. Donc des cartes qui ne coûtent pas très cher à utilisation, donc qui ne nécessitent pas beaucoup de cristaux. Qui font pas beaucoup de dégâts, mais qu'on peut mettre rapidement en masse. Et on peut rapidement se faire submerger si on n'a pas des sorts qui permettent de clean un peu le... la zone. Bon, voilà. Il y a un joli petit raptor. Ok. On n'a pas des super cartes non plus. D'accord, il avait vraiment pas envie que je pose mon raptor. Piège de cartes. Oh la vache, mais c'est quoi ces cartes que je sors? On va mettre la provoque. Provoque 4 PV, c'est pas mal. En plus, c'est une bête. Si je pouvais tirer un maître chien, ce serait super cool. Ouais, c'est sûr qu'il a la meilleure provoque. Oui. Là, je sais pas trop quoi faire, en fait. Soit j'invoque un compagnon animal aléatoire. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, on va invoquer le... Wow. Ça, c'est quand même bien. Donc on va attaquer. Je n'ai pas assez de mana. Ah du coup j'ai pas assez de mana, c'est pas grave. On va attaquer avec celui-là, donc elle va normalement m'attaquer avec celui-là. À moins qu'elle ait un sort directement pour tout gérer. Ouais bon, elle a un sort. 6 points de dégâts, ouais, boule de feu. Il est fort possible qu'elle ait un sort pour me gérer. Ok, même pas. Ah si. Ouh. Oh, c'est passé. Oh la vache. C'est ce qui s'appelle avoir un cul de malade. Enfin, j'ai quand même 11 dégâts de retard. C'est pas rien. On va y aller avec ça. Boum. Un berserk. Berserk, je sais pas, Gorubashi. Ok. C'est plutôt bien, si elle me fait du 1 point de dégâts pour 1 point de dégâts. Ok, elle cherche à me vider directement à coup de... à coup de boule de feu. Mais ça risque d'être un peu compliqué, ma petite. On va y aller avec la charge. Voilà, là on fait du 10 de dégâts. Ce qui est quand même... conséquent. On a presque réduit la différence. Faudrait que je pose le champion, en fait. Ils ne s'en relèveront pas. Il est fort possible qu'elle essaye d'attaquer je sais pas qui. À charge. J'ai encore mon cristal qu'il faudrait que j'utilise. J'espère que vous aimez mon attention. Alors là, elle doit... J'espère qu'elle n'a pas de recharge. Normalement, elle en a pas, elle. Yes, c'est passé. Donc là, il faut bien jouer.
Inflige 3 points de dégâts à deux adversaires aléatoires. Soit on utilise ça. Ensuite on peut réutiliser le cristal pour faire 4. On va essayer ça. Voilà, donc déjà on en a enlevé un. Et on pose un Yeti. Voilà, donc là normalement, alors à moins qu'elle... Bon, si elle peut me faire largement... Il y a largement possibilité qu'elle me fasse... 10 points de dégâts. Voilà, si elle me met de la provoque, c'est fort possible que ça passe. Voilà, donc là, elle me descend à 6. Et tout ce que j'ai, c'est à croiser les doigts pour qu'elle n'ait pas une boule de feu ou un truc comme ça qui m'enlève 6 PV d'un coup. Parce que là, j'ai rien pour contrer. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, il est fort possible qu'en fait elle ait rien du tout. Ouh, ça c'est très très bien. Et c'est le GG. C'est le GG, mais genre violemment. Clean the board. 4 points de dégâts. Et c'est fini. Wouah! C'était un peu mal barré, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Ce qui est très très cool. Bon, bah, premier match réussi. Hein, franchement, c'était bien joué. Et puis, bah, on est reparti. Je vais essayer de faire 3 parties. Et je vais vous retrouver avec un adversaire. Allez, à tout de suite. Allez, je vous retrouve. J'en ai trouvé un. Enfin, un prêtre. Ça fait longtemps. Nympha, la s'appelle. Nous apportera la victoire. Je la traque. Ok, je commence. C'est pas forcément ce que je préfère. On va enlever tir explosif et Yeti. Regardez le crocodilisque. Ça par contre la carte 7. C'est pas sympa. C'est pas franchement sympa. Bon, on va mettre le poulet furieux. Hein. Ouais, une carte à 5. Je pars pas très bien. Reste à voir, hein, bien sûr. Tout peut arriver. Le pire comme le meilleur. Jour. Oui, non, l'inverse. T'es sérieux, il utilise châtiment sacré contre mon poulet. Le mec, il a que ça à faire, quoi. Il a utilisé mon son truc et voilà, châtiment sacré. Bon, par contre, un maître chien, c'est cool. C'est franchement super cool. Ça, c'est assez génial. Ah! C'est-à-dire qu'il va falloir... une nouvelle bête. Là il va se soigner. Hein. Travail terminé. Oh, non, ce bruit quoi. J'ai passé de très longues heures sur Warcraft 3. D'ailleurs je suis toujours aussi nul. Un docteur Volou. Ok, bon. La gueule d'acier c'est pas mal. Si on pouvait poser le maître chien au prochain tour, ça serait super cool. Ensuite on essayera de poser le berserk Gorobashi. Peut-être faire le tir explosif plutôt. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va peut-être. On va poser ça. 7. Là on est bien. Ça fait une provoque au moins. Sachant qu'il est fort possible qu'il pose un serviteur. Voilà. Si je peux utiliser tir explosif. Ah! C'est genre pas sympa la configuration qu'il a mise là. Parce que... Alors attendez, 2 points de dégâts au serviteur adjacent. Ok, c'était juste pour pêcher la carte. Ah si, c'est bon. Ouais, non, en fait c'est pas si mal. Hein. Non mais... Comment ça tu vas attaquer? Tu peux pas attaquer? Ah si, reste-toi. Ah, c'est pas si mal en fait. Je me rends compte que la configuration est pas si mal. Parce que là, du coup, voilà, on est plutôt bien et là, faut choisir. Voilà, on va faire ça comme ça, au moins on reste encore en vie. Et avec ça, on attaque. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. En plus, elle va bientôt tomber, mais on pourra poser le seigneur de la reine avec provoque. Voilà, ça y est, elle est tombée.
C'est pas très grave. Ok, bon, le maître chien, il va pouvoir s'en occuper, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ah ouais, c'est vrai que là, j'arrive à un stade où j'ai quand même beaucoup de cristaux. Donc on va mettre cette provoque, au moins on sera tranquille. On va attaquer. Non, pistache, ça sera pour le prochain tour. Donc par contre, normalement, il devrait se healer pour retourner à 30 PV. Alors j'espère qu'il a pas... Ouais, ça va. J'ai croisé les doigts pour qu'il ait pas une carte qui me one-shot. Enfin, qui one-shot mon... Ma provoque. Je peux faire du moins 10... Quelqu'un a demandé un... Ah là là. Parce que du coup, j'ai plus rien pour... Et il va se soigner. Ça sert absolument à rien. Sauf qu'il a même pas de carte qui lui permet de piocher des cartes. Alors. Là, il faut bien réfléchir. On va utiliser ça. Qu'est-ce que j'ai? Une seconde provoque, c'est pas mal. Sauf que j'ai pas de bête, donc ça me sert à rien. Mais sauf qu'on pourrait la garder au cas où si j'ai une bête. On va utiliser ça. Et là, boum! Là, dans tous les cas, il sera obligé de l'éliminer. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. On pourra poser un... Ah, le truc, c'est que c'est pas génial. Franchement, cette bête-là, elle est pas super. Donc là, il arrive à un problème parce qu'il ne reste plus que deux cartes dans sa main. Ce qui est pas GG. Donc là, il va me virer ma provoque. Ah, ce qui est potentiellement embêtant à cause de ça. Mais c'est pas très grave. Ah oui, ça par contre ça peut être très sympa. Ouais, ça peut être bien. Ça va être très bien. Au prochain, je pose le loup des bois et le cri de guerre sur le chien du magma et je peux vous assurer que là ça va faire très mal. Je vais faire une créature, mais alors d'une puissance. Ah d'accord, ok, pourquoi pas. Hein. J'ai envie de dire, il a les mêmes cartes que moi. Il peut jouer avec ce qu'il veut. Ah ouais, ah oui, je crois qu'on peut faire une sacrée configuration, vous allez voir. Hop. Allez, allez voir. Bien joué. Et un petit 14. Boum, -10. -10 quoi. Oh là là. Je suis content d'avoir enregistré celle-là de victoire. Je suis vraiment content. Celle-là, c'était violent. Ouf. Oh la vache. Bon allez, troisième partie, j'espère que je vais encore gagner. Ça me fera quand même 6 victoires d'affilée, ce qui est absolument énorme. Et je vous retrouve dès que j'ai trouvé un adversaire. Allez, à tout de suite. Toc, je vous retrouve, encore un nouvel adversaire. Ah, un autre chasseur. Ah ouais, c'est un nouveau terrain que j'avais jamais essayé celui-là. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup joué. Alors, on va enlever le 5, ça sert à rien. Le tir des arcanes, encore, on peut le garder. Oh, ça c'est bien, on a deux provoques, 2 et 3. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment plutôt pas mal. En plus, on a de quoi tenir, ouais, c'est bien. Alors, c'est quoi ce terrain? J'ai encore jamais essayé. Ça fait rien, ça? Ok, ça s'ouvre. Ça fait rien, les... Et c'est tout nul. Je m'attendais à plein de trucs qui bougent. Ah, ça c'est cool. Ça c'est génial. Par contre, j'ai pas regardé. Oula, j'ai pas regardé, ce qui est très embêtant. On va poser la provoque. Hein, on pose la provoque.
D'accord. Ok, ça, ça fait un d'autre. Alors, il y a le tir des arcanes, on dirait que ça va être un miroir. Mais alors, un truc très drôle. D'accord, sinon ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est pas si... C'est très bizarre. C'est genre très très bizarre. Boum. Alors pour l'instant je prends une légère avance, par contre il a bien plus de cartes que moi. Alors il est fort possible que je perde cette partie, même si j'ai dit ça à toutes les autres. On peut pas se tirer dessus, d'accord. Je me demande. Bah, te demande pas trop longtemps, hein, s'il te plaît. Si je pouvais faire 3 parties gagnantes d'affilée, ça serait vraiment super cool. C'est pas la même. C'est pas la même. Alors, on va poser les chiens sont de sang. Ceci. Ça fait une jolie petite attaque. Par contre, j'ai pas des super cartes qui demandent énormément de cristaux. Du coup, il est fort possible que les... que je sois en gros manque de cartes, que je n'ai plus rien dans ma main rapidement. Aïe, c'est ce que je craignais. Enfin, craignais. Il a bien fait son deck, lui c'est un chasseur qui a bien fait son deck, pas comme le mien qui est tout pourri, qui est vraiment insensé. Donc il a des bonnes cartes en face, des bonnes bêtes avec des bonnes configurations. Ah oui, par contre moi je peux sortir ceci. Ah oui, il faut que je sorte d'ailleurs, on dirait plutôt. Ça va devenir assez urgent. Ok, 2 créatures éliminées. Oh la vache, c'est vrai. Ça c'est genre pas très sympa quoi. Quoique. Non, on va utiliser ça. On le fait passer à 17, ce qui est pas mal. Ah, je suis embêté. Je suis vraiment embêté parce que du coup, j'ai plus de serviteurs ou presque. Des serviteurs qui coûtent assez cher en cristaux. Ce qui est pas la meilleure option. Non, c'est pas sympa. Ah là là. Là elles vont attaquer le maître chien, tiens. C'est pas ce que j'aurais fait. Enfin. Vos autres serviteurs ont plus 1. Je vais le poser peut-être plus tard hein, quand même. Ah c'est lui qui... Il a pas attaqué lui. On va utiliser... Quoi? Bonne question. On va utiliser ça. On va éliminer ça comme ça, on est tranquille. Ok, il est à 10. Je suis pas loin de la victoire, mais c'est pas gagné. Parce que là, il va être obligé de m'en éliminer une s'il veut pas mourir au prochain tour. Ah bah bon. C'est fait. Il va éliminer la deuxième. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, parce qu'il suffit que j'ai une carte comme ça. Les portes sont ouvertes. Voilà, il suffit que j'ai une carte comme ça et du coup il se retrouve un peu embêté là quand même. Parce que là il reste 4 PV et il y a de fortes chances à ce que je puisse les enlever assez facilement. Ne serait-ce qu'en retombant sur un tir des arcanes enchaîné avec mon sort de héros. Non, il y a franchement moyen que je lui fasse très bobo assez rapidement.
Alors là, la question est, qu'est-ce qu'il va utiliser? Parce que dans les deux cas, je clean son board s'il veut... S'il veut tout enlever. Là, il va être forcé de tuer, voilà. Même lui. Ah bah voilà, il a perdu. Bien joué. Il a perdu, c'était... Dommage à toi, si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait. Dommage à toi, ça a été... La fin était pas mal, la fin était pas mal. Il y a eu juste... T'as juste eu pas de bol sur mes sorties de cartes. Ce qui est très étrange, parce que d'habitude, j'ai pas de chance du tout. Enfin, ça y est, 3 victoires d'affilée encore. Pouf. Et pourtant, je n'ai même pas joué entre les deux vidéos, quoi. Je n'ai même pas joué avec ce deck. Si vous regardez la jauge d'expérience, elle n'a pas bougé. Et pourtant, j'ai réussi. Ce qui est quand même... bon, on va pas dire exceptionnel, mais ce qui est quand même super cool. Je suis très content de ce que j'ai fait. Voilà, voilà, bon, c'est pas exceptionnel comme jeu, hein, non plus, hein. Je joue en partie non classée, en classée, j'ai essayé, je n'ai même pas réussi à partir du rang poulet. C'est-à-dire le rang 25. Donc, vous voyez à quel point je suis nul. On va juste regarder, vous allez voir. Ma progression, 43 victoires, sachant que j'ai dû faire à peu près le triple, hein, au niveau des parties. Donc, voilà, je suis pas très bon, hein. Je dois avoir un ratio tout pourri. Vous voyez, j'ai des trucs que j'ai même pas essayé, voilà. Donc il n'y a vraiment que le chasseur que j'essaie de jouer, à peu près, à peu près. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !